Bonjour à tous, moi c'est Umzo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire l'avant-match Real Madrid-Cadiz, c'est parti. Real Madrid-Cadiz c'est aujourd'hui à 22h au Stadio Di Stefano, donc Real présente beaucoup d'absents, il présente 7 absents, Ramos, Sergio Ramos qui est absent, Mendy, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Hazard qui sont toujours absents. Et pour les retours, on a Varane, Nacho qui sont de retour et Casemiro, on doit le noter. Casemiro qui était absent le match passé parce qu'il était suspendu, il a eu un carton rouge au Classico. Donc pour le classement, je mettrai un 4-2-3-1. Qui va, je pense que Zidane va utiliser. Il ne peut pas utiliser le 3-5-2 vu qu'il a des latéraux en moins. Pour le gardien, je mettrai Thibaut Courtois. La charnière centrale, je mettrai Varane et Militao. Certes, c'est une charnière. Je ne mettrai pas Nacho. Je ne prendrai pas de risque. Militao, il n'était pas absent. Il a eu rythme. Je mettrai Varane pour la sécurité. C'est certes que Nacho a fait des très bons matchs. Il fait des très bons matchs avec Militao, mais je préfère mettre Varane. Les latéraux, je mettrai Marcelo et Odriozola. Les deux, 6, je mettrai Casemiro et Isco Alarcón. En 10, je mettrai Asensio. À droite, Rodrigo Gomez. À gauche, Vinicius Junior. Au centre, je mettrai Benzema. Et pour Cadiz, je mettrai un 4-4-2. Cadiz qui sont 13e, Real qui est 2e. Un 4-4-2. En gauche, je mettrai Ledesma. La charnière centrale, je mettrai Jiménez et Lopez. Les latéraux, Espino, Carcelen. Les 4 milieux de terrain, Salvi, Johnson, José Maria, Malbasic. Et les deux attaquants, je mettrai Negredo et Sobrino. Mon pronostic, je dirais 1-3-1 pour le Real Madrid avec doublé de Benzema et un but de Asensio ou de Isco. Je mettrai une victoire de Real Madrid, voilà. Et pour les enjeux du match, si le Real gagne, sera premier à égalité de points avec Atlético avec un match en plus et devancera de Barcelone de 5 points avec 2 matchs en avance. Mais s'il ne gagne pas, c'est adieu à la Liga. Faut être objectif. C'est un match à ne pas perdre pour le Real Madrid. Et Cadiz, qui sont 13e, s'ils gagnent, sont 9e à égalité de points avec Grenade. C'est totalement fou. La Liga est très serrée. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez. C'était Umzo. À la prochaine.